matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce vendredi 25 novembre 2022, dernier jour de la semaine avec vous pour ma part. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé à l'endroit indécision. Quel choix faire? Vous êtes à l'embranchement d'une route et vous avez deux chemins. Et là, vous ne savez pas lequel prendre. Cette carte, comme vous l'avez compris, elle présente deux choix possibles. Ou même, je dirais même, davantage dans votre vie peut-être. Elle indique que vous regardez avec anxiété deux voies, deux chemins qui sont devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais par contre, vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Celle de droite, celle de gauche. Alors, vous êtes tellement dans le flou total que vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Mais que se passe-t-il en ce moment pour certains d'entre vous? On a l'impression que cette indécision vous paralyse, elle paralyse votre volonté et elle vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. On n'est jamais certain de nos choix à 150%. C'est très difficile d'être certain à 150% des choix que l'on fait. Alors, ne croyez-vous pas qu'il serait intéressant d'arrêter, d'analyser et de douter de vous-même? Parce que tout vient de là, n'est-ce pas? Ce manque de confiance, le doute que vous avez en vous. Réfléchissez, n'est-ce pas, aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par, par votre âme, votre voix intérieure. On en parle souvent. Votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Prendre le chemin à gauche ou prendre le chemin à droite? Vous savez bien que le premier ressenti qu'on a est toujours le bon ressenti. Alors voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre, le but que vous devez atteindre. Et surtout, surtout suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. Pesez bien le pour et le contre, le chemin de gauche et le chemin de droite. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui est le plus respectable pour vous? C'est un choix qui n'est peut-être pas facile pour certains d'entre vous, mais que vous devez faire. Donc vous êtes à la croisée des chemins, n'est-ce pas? Vous êtes dans une indécision, vous pataugez.
Je vais le dire comme ça. Quelle décision vais-je prendre? C'est pas facile, mais il y a une décision à prendre et vous devez la prendre en toute conscience. Voilà. Eh bien, c'est un beau message pour terminer cette semaine, n'est-ce pas? Et on va terminer avec une carte message de ton âme. S'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ben, voilà peut-être la solution, n'est-ce pas, à votre indécision. Voilà. Réfléchissez. Réfléchissez. S'instruire. Ça va peut-être vous permettre à prendre cette décision et ne plus stagner sur le choix que vous devez faire. Eh bien voilà, encore une semaine de passé. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, vos messages, votre gentillesse, votre bienveillance. Cliquez sur le petit pouce hein, pour faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. C'est très gentil de votre part. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et puis, merci de votre écoute, hein, pour votre écoute chaque jour. Ça m'encourage à continuer, n'est-ce pas? Et puis, voilà, je vais vous souhaiter une très, très belle journée et un très, très joli week-end dans l'amour inconditionnel. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, je vous embrasse. À tout bientôt.